Et nous retrouvons aujourd'hui pour notre signe du cancer, du 22 juin au 22 juillet, notre signe d'eau. Et notre fée, la belle fée que nous voyons, c'est Loïs, qui me tient à cœur puisque c'est ma fée. C'est la fée des souvenirs, c'est la fée du passé, de nos racines, la fée qui s'occupe des enfants, de la maison. C'est vraiment son centre d'intérêt, c'est sa vie. Elle est inspirée, Loïs. Elle est intuitive. Surtout par l'amour naissant et brûlant. Des sentiments profonds et réciproques libèrent sa libido. Dans l'intimité, Loïs se tombe le masque de la pudeur pour atteindre le nirvana. Cœur et corps épanouis, elle crée, invente, se réinvente, fusionne les liens en sublimant le quotidien. Elle est irritable. Elle a beau s'en défendre, voire se positionner en victime, Loïs est une véritable adepte des sauts d'humeur. Un brin coléreuse, un poil lunatique, elle peut vite devenir blessante, mais sans même s'en rendre compte. Secrète, Loïs n'a rien à cacher. Elle veut juste préserver son intimité pour protéger ses rêves. Sur la pointe des pieds, elle se laisse aller à la confidence, en se reprochant l'instant d'après d'avoir trop parlé. Ne jamais la trahir, car sous peine d'être rayée de sa carte mémoire à jamais. Une fois qu'elle se sera fâchée avec vous, inutile de revenir, c'est terminé. Nostalgique ? Bien qu'elle cherche parfois à fuir cette nostalgie ou à fuir son passé finit toujours par la rattraper. Le temps lui vole son enfance, ses proches. Aussi a-t-elle sans cesse le besoin d'animer sa mémoire de souvenirs vivants qui lui prolongent les joies ou transforment ses peines. Loïs se souvient pour ne pas se retrouver prisonnière d'un funeste oubli. Elle aime s'occuper des autres. Elle est protectrice. Son cocon, c'est sa maison. Après avoir été maternée, Loïs abrite les siens en veillant à ce que tout se passe bien. À jouer les anges gardiens, elle peut devenir étouffante, possessive, même jalouse. S'affranchir de sa bienveillance, ça la blesse. Elle se sent abandonnée et craint d'être oubliée. Elle est courageuse. Plus sensible que fragile, Loïs fait preuve de détermination pour surmonter les obstacles ou atteindre son but. Détestant prendre des risques inutiles, elle s'assure toujours de la fiabilité du projet avant de se lancer. Autre motif de bravoure, la cause de ses proches, qu'elle défend bec, pince, ongle. Personne ne doit la toucher à sa famille. Loïs a un talent artistique, souvent des dons. Elles aiment dessiner, peindre, c'est leur petit hobby. Sa planète, c'est la Lune, car elle est émotive. Son métal, l'argent. Le minéral, la pierre de lune, la perle, le rubis aussi. Sa couleur préférée, le blanc. Ses chiffres, le 4, le 5, le 13, le 3, le 7, le 17, le 31. Elle aime les couleurs bleu et argent. Son jour de prédilection, c'est plutôt le lundi. Son entente se passe très bien avec le lion, les poissons et même l'homme cancer ou la femme cancer. Voilà, vous avez découvert Loïs, notre fée maternelle. Et on se retrouve donc le mois prochain pour découvrir une autre fée. Au revoir.